chant du joli ruisseau. Écoutons le chant du joli ruisseau. À présent, faisons attention. Et traversons dans les bois, qui vit dans les bois. De belles libellules, des pivers, des grenouilles, des petites fourmis. La corde a sauté. Saute la corde, la corde a sauté. Est-ce que ça va, Chip? Oh non, maman, Chip s'est blessé. Oh non, Chip. Est-ce que ça va, Chip? Mon aile me fait mal. Est-ce que ça va, Chip? Je vais mettre ce pansement de feuilles sur ta blessure et souffler dessus. Ça va mieux? Waouh! Je n'ai plus mal du tout! Waouh! Oh, alors jouons à la corde à sauter! D'accord! C'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est un monstre? Oh, un monstre? Allons voir ça! Ouais! Je crois avoir déjà entendu ce bruit. Maman, j'ai peur. Rentrons à la maison. Non, allons voir. Oh, on m'a fait trop sombre là-bas. Alors tenons-nous par les mains et allons jeter un coup d'œil. D'accord. D'accord. Je vois un animal. Oh, c'est un jeune chien sauvage. Oh, on dirait qu'il s'est blessé à la patte. Bonjour. Vous êtes qui, vous? Je m'appelle Chip et ce sont mes frères et sœurs. Nous pouvons t'aider? Je vais très bien. N'approchez pas. Mais tu guériras plus vite si on t'aide. J'ai dit, je vais bien. Allez-vous-en. C'est ça le bruit qu'on entendait. Oh, mais c'était pas un monstre finalement. Mais maman, pourquoi le chien sauvage continue à hurler? Le chien sauvage hurle pour appeler sa famille et ses amis. Alors, on pourrait être ses amis et l'aider. Attendons encore un petit moment. D'accord. Pourquoi personne ne répond? Pourquoi il me regarde? Je crois qu'il est blessé. Arrêtez de me suivre. Pourquoi vous... C'est dangereux. Oh non, chien sauvage! On le tient!
j'aurai mis ce pansement, je soufflerai dessus. Ça va mieux? Je crois que je me sens peut-être un peu mieux. Oh, moi je me sens beaucoup mieux avec ça. Je peux réessayer? Je me sens mieux. Ah, je suis très content. Mes amis! On te cherchait. Je me suis blessée, mais les petits faisans m'ont aidée et je me sens beaucoup mieux. Merci, petit faisan. De rien. Au revoir. Au revoir, les petits faisans. Au revoir. À bientôt. Avec l'aide des chevaliers, la princesse retrouva le prince et ils vécurent heureux à tout jamais. C'est tout pour aujourd'hui, les enfants. J'adore les histoires avec des princesses. Hé, les garçons, et si on joue à la princesse? La la la, bonjour, je suis la princesse Turi. Oh, laisse-moi essayer aussi. Bonjour, je suis la princesse Bobby. Bobby, Jack, Chip, vous pourriez jouer les chevaliers, ça vous plairait? Bonne idée. Nous sommes les intrépides chevaliers faisants. Dites-moi, princesse Duri, avez-vous besoin de quoi que ce soit? Oui, j'ai besoin d'une couronne parce que je suis une princesse. Oh, partons en quête d'une couronne pour la princesse. Oh, après vous, princesse. Princesse, nous t'avons tressé une couronne. Mets-la, s'il te plaît. Voyons si elle me va. Hé, oh. Hey, elle est trop grande. Faites-en une autre. Quoi? Mais on a travaillé drôlement dur pour la faire. Les chevaliers ne parlent pas comme ça. Je parle comme je veux. Et puis d'abord, tu n'es même pas une vraie princesse. Quoi? Elle est drôlement jolie. Sa crinière est vraiment magnifique. Elle a un beau visage. Et de longues, longues jambes. Elle, c'est une vraie princesse. Une vraie princesse? Mais enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Ma princesse. Votre princesse? Oui, bah oui, tu es bien une princesse, n'est-ce pas?
C'est vrai que je ressemble un peu à une princesse, oui. À partir d'aujourd'hui, nous sommes tes serviteurs, princesse. Nous sommes les intrépides chevaliers faisants. Tiens, mets ta jolie couronne. Quoi? Elle était pour moi. De quoi j'ai l'air? Elle me va bien. Tu es la plus belle princesse que j'ai jamais vue. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, princesse? J'ai oublié un rendez-vous très important. Oh là 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 là. Un rendez-vous important, c'est sans doute. Un rendez-vous avec le prince. Je dois partir, au revoir. Attends, on va aller avec toi. C'est vrai? D'accord, mais nous devons faire vite. Sautez sur mon dos. Oui, princesse. Oh, tu viens avec nous, Duri? Non, j'en ai pas envie. Non, on va voir le prince. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tenez-vous bien. Youhou! Où est-il? Nous devions nous retrouver ici. Oh là là. Où est-ce que tu es, le prince? Nous te cherchons. Tu es en retard. Te voilà. C'est lapin. On s'était promis de manger des carottes ensemble. Tu te rends compte à quel point c'était dur de me retenir en t'attendant? Pardon, désolée. J'avais complètement oublié que nous avions rendez-vous. J'étais en train de m'amuser avec les petits faisans. Mangeons-les maintenant. D'accord. Alors là, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Moi non plus, je croyais qu'elle allait retrouver le prince. Pour tout vous dire, je ne suis pas une princesse. Même si je suis aussi jolie qu'une princesse. Quoi? Vous voyez, je vous avais dit que ce n'était pas une vraie princesse. Oh, j'en ai assez de cette chose, elle me gêne. Mes princesses! Les enfants, hein? Comment avez-vous fait pour aller si loin? Maman! Maman, on croyait que la jument était une princesse, mais on s'est trompé. Ah bon? Et pourquoi pensiez-vous que c'était une princesse? Parce qu'elle a une magnifique crinière et des jambes très très longues. Et en plus, elle est très jolie. Eh bien, moi, je trouve que Duri est beaucoup plus jolie qu'elle. Tiens, chérie, j'ai fait une couronne de fleurs pour notre charmante petite princesse Duri. Waouh! Et elle est juste à la bonne taille pour moi. Merci beaucoup, maman. Elle te va drôlement bien. Tu ressembles à une vraie princesse. Moi, je préfère nettement les carottes à une couronne de fleurs.
avion en feuille. Fais-le voler, Bobby. Vas-y, vole, avion en feuille. Oh. Ah, Bobby, envoie-le avec plus de force. Vole, avion en feuille. Oh, l'avion en feuille vole super bien. Oui, mais regardez, il va beaucoup trop loin. Il devrait être par là. Est-ce qu'il est en train de manger notre avion en feuille? Oh, j'espère pas. Dites, monsieur, qui êtes-vous? Je suis Monsieur Chèvre, le vieux sage. Que cherchez-vous, mes petits? Nous cherchons notre avion en feuille. Vous l'avez vu? Vous ne l'avez pas mangé, dites Monsieur Chèvre. J'aime bien manger des feuilles, mais je n'aime vraiment pas manger les feuilles des autres. Voyons voir. Hein? Est-ce l'avion en feuilles que vous cherchez, mes petits? Waouh, il est bien mieux que le nôtre. On n'a qu'à dire que c'est le nôtre. Non, non, il faut dire la vérité. Ce n'est pas le nôtre. Non, ce n'est pas le nôtre, Monsieur Chèvre. Le nôtre est très ordinaire comme avion. Ben, alors, est-ce l'avion en feuilles que vous cherchez? C'est celui-là. Oui, monsieur, c'est notre avion. Wow, vous êtes de très honnêtes petits faisans. Vous avez dit la vérité. Tenez, je vous les donne tous en guise de récompense. Wow! Merci, Monsieur Chèvre! Vole très haut dans le ciel, mon avion, vole très haut dans le ciel, mon avion en feuille. Vole! Hein? Qu'est-ce que c'est? Ces avions en feuille sont fantastiques! Où est-ce que vous les avez trouvés? Notre avion a volé très très loin et il est tombé dans la forêt. Et on a rencontré Monsieur Chèvre qui nous a donné de meilleurs avions. Oui, il nous les a donnés parce qu'on était honnêtes. Monsieur Chèvre vous les a donnés? Je vais avoir un meilleur avion. Envole-toi, petit avion. Plus loin. Allons chercher la récompense. Monsieur, Monsieur Chèvre. Vous êtes Monsieur Chèvre? Pas vrai? J'ai perdu mon avion. Il était grand et super. Ah oui. Est-ce là l'avion que tu cherches? Non, le mien est bien plus gros et bien plus super. Alors, est-ce celui-là l'avion que tu cherches? C'est lui! C'est mon avion! Oui, c'est le mien! Monsieur Chèvre est très naïf, il est facile à tromper. Allez, allez, vas-y, vole! Mes chéris, où avez-vous trouvé ces beaux avions? Monsieur Chèvre nous les a donnés. Faisons les voler ensemble. Oh, écureuil! Je tombe! Tu vas bien, écureuil? Madame Flora, ça me fait plaisir de vous voir. Oh, mince! Est-ce que ça va? On l'a échappé belle, écureuil. Monsieur Chèvre, je ne mentirai plus jamais.
Tu regrettes ton erreur? Alors je te le rends. Oh, mon avion en feuilles! Merci, monsieur Chèvre! Allons faire voler nos avions tous ensemble! Youpi! Tu as mal à la tête. Il faut que je te fasse une piqûre. Tu vas aller mieux maintenant. Alors, c'est à qui le tour? Toi, Bobby? Moi? Je ne veux pas que tu me fasses une piqûre. Bon, c'est à toi, Jack. Mais je ne suis pas malade. Je n'ai plus envie de jouer à ce jeu-là. Et si on jouait à chat? C'est moi le chat. Tous partis. Qui est-ce que je vais guérir? Papon, 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 papon. Oh, ces branches sont toutes ramollies. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je m'occupe de ce jeune pin parasol. J'ai bien l'impression qu'il a besoin d'un peu plus d'eau. Regarde, tu vois comme le sol est tout sec en dessous? Oh, oui, tu as raison. Dans ce cas, il faut lui donner beaucoup d'eau fraîche. Et combien? Je pense qu'il faut au moins 5 glands d'eau. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. Et voilà, j'ai fini. On n'a plus qu'à attendre un petit peu. Oh, waouh! Les branches du petit arbre ont l'air d'aller mieux. Mais qui es-tu, toi? Une coccinelle. Je guéris les plantes qui sont malades. Oh, ça veut dire que tu es médecin alors. Chouette, moi aussi. Oh, ça me donne une idée. Et si on guérissait les plantes de la forêt ensemble? Il y a beaucoup de plantes ici qui ont besoin de notre aide, tu sais. Tant mieux. Formidable, alors en avant. Papon, papon. Papon, papon. Oh, regarde. Cette fleur est en train de se faner. Voyons voir. Le sol est humide. Elle a suffisamment d'eau. Alors, c'est qu'elle doit manquer... Oh, de lumière. Hé, nous avons eu la même idée en même temps. Oui. La vigne au-dessus d'elle est trop épaisse et elle bloque la lumière du soleil. Pardon, la vigne. Est-ce que tu peux bouger un peu? La fleur a besoin de la lumière du soleil pour pousser. Vas-y, attrape-moi si tu peux. C'est comme si c'était fait. Je t'ai eu.
Oh, regardez, c'est Duri. Je me demande bien ce qu'elle fait. Allons voir. Duri. Coucou. À quoi tu joues? Je suis en train de guérir cette pauvre petite fleur. C'est vrai, regardez. Wow. La fleur est revenue à la vie. On peut jouer avec vous? Bien sûr. Vous êtes prêts? En avant! Pas bon, pas bon. La branche est presque cassée. Elle va tomber. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. J'ai une idée. On n'a qu'à lui mettre un bandage. Oui, mais d'abord, nous devons essayer de redresser un peu la branche. Continue, ça y est, tu y es presque. Vas-y, tends les ailes encore un peu plus. Jack, Bobby, Chip, est-ce que tout le monde va bien? Moi, ça va, oui, merci. Oh non, elle est complètement cassée maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On est vraiment désolée, Madame Lavigne. Les enfants, qu'est-ce qui se passe? Maman! Eh bien, on a essayé de réparer la branche de la vigne. Mais on est tombé et elle est complètement cassée. Dans ce cas, on devrait la planter. Quoi? On peut la planter? Évidemment. Si on la plante bien dans le sol, elle poussera et deviendra à son tour une grande vigne. Est-ce que tu veux dire qu'un beau jour, elle pourra même donner du raisin? Bien sûr. Voilà, ça y est, fini, on l'a plantée. Pouvoir grandir autant qu'elle veut. Et j'espère qu'elle nous donnera tout plein de raisins. Mes enfants ont guéri la branche de la vigne. Parce que nous sommes les meilleurs médecins de toute la forêt. Suivez-moi, je suis sûre qu'il y a d'autres plantes qui ont besoin de nous. Oui. Pas bon, pas bon. Pas bon, pas bon. Bim, bam, boum. Montez sur le traîneau. D'accord.
Très bien, vous êtes prêts? Oui. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, on va bien. Mais qu'est-ce que c'est? Un poisson? Suivons-le. Attention, c'est glissant. Attention. Il est vraiment rapide. Où il est? Il est là-bas. Hop. Bonjour les amis, je suis l'outre. Enchanté. Bonjour monsieur l'outre. Vous êtes vraiment très rapide. Monsieur l'outre a un corps flexible. Il se déplace très vite dans l'eau et aussi sur terre. Et je suis spécialement rapide sur la glace. Monsieur l'outre, est-ce que vous pourriez apprendre à mes enfants à glisser, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Il est très très important de contrôler la puissance de votre traîneau. Hop. Et pour vous arrêter, vous les plantez comme ça. Alors, vous voulez essayer? Oui, s'il vous plaît. En avant! En avant! Oui. Oh non, c'est trop long. Monsieur l'outre, le traîneau est beaucoup trop lent. Oh, eh bien, j'ai une idée. C'est parti! Plus vite, monsieur l'autre! Compris! J'accélère! C'est trop rapide! Monsieur l'autre! On y va! Oh, flûte! Miam, miam, miam! Oh, j'adore les carottes! Miam, 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 miam! Pousse-toi, lapin! Non, mais qu'est-ce que vous faites? On peut pas s'arrêter! Une colline! Attention! Eh bien, je vous l'ai montré, non? Planter! Oui, c'est ça! Allez, prêt? Planter! Yeah! On l'a arrêté! Tout le monde va bien? Oui! Super! Oh, très beau travail, tout le monde! Nous aurions pu tomber de la falaise. Ce n'était pas une falaise. Tip, tip, tap, tap.
le chant du joli ruisseau. Écoutons le chant du joli ruisseau. À présent, faisons attention. Et traversons. Dans les bois, qui vit dans les bois? De belles libellules, des pivers, des grenouilles, des petites fourmis. Sur la tête. Un bonhomme de neige? Quand j'étais petite, je faisais des bonshommes de neige en modelant la neige. Wow, c'est mignon. Je veux en faire un aussi. Moi aussi, moi aussi. Je veux aussi. Moi aussi. Désolée. Ce n'est rien. Voilà les yeux et le nez. Oh, youpi, bonhomme de neige. Waouh, bravo mes chéris. Il est comment mon bonhomme? Très réussi, bravo Chip. Mon bonhomme est plus joli que le tien. Mon bonhomme est très résistant. Mon bonhomme à moi, il parle. Je suis le bonhomme de neige. Il est déjà l'heure de dîner. Rentrons les enfants. D'accord, maman. Chip, est-ce qu'il y a un problème? Maman, il peut venir aussi, s'il te plaît. Il faut qu'il reste dehors. C'est sa maison, le champ de neige. Mais il a l'air d'avoir très froid. Hein? Il aura chaud comme ça. D'accord. Maman, je crois qu'il va attraper un rhume. Oh, ne t'inquiète pas, tout va bien, Chip. Dors, tu joueras avec ton bonhomme de neige demain. Oh, d'accord, maman. Jouons tous ensemble.
C'est tellement amusant. Bonhomme de neige. Regardez, Chip. Chip, à quoi est-ce que tu rêvais? Tu te tortillais comme ça. Mon bonhomme de neige. Bonhomme de neige. Oh, bizarre, j'ai joué avec les bonshommes de neige. Chip, tu rêvais? Non, c'était vrai. On a fait une bataille de boules de neige. Eh, ne sois pas bête, il ne bouge pas. On va aller jouer, venez. On lance des boules de neige. Peut-être que c'était un rêve. Oh, la queue! Ce n'était pas un rêve! C'était vrai! Bim bam bou, partons ensemble en balade, nous rirons beaucoup. Ha ha ho ho, allons jouer dans la forêt, explorons partout. Tip tip tap, tapons des pieds sur la musique, chantons tous en chœur. Sautons, dansons, gambadons dans la forêt, c'est un vrai bonheur. Écoutez le chant du joli ruisseau. Écoutons le chant du joli ruisseau. À présent, faisons attention. Et traversons. Dans les bois, qui vit dans les bois? De belles libellules, des pivers, des grenouilles, des petites fourmis. Le gentil chien de garde. Waouh, c'est très beau. Maman, cette feuille a la même couleur que moi. Mais oui, cette feuille est jaune comme toi, Chip. Mais pourquoi les feuilles changent de couleur, maman? Quand l'été est terminé et que l'automne arrive, les feuilles changent de couleur et les arbres donnent de délicieux fruits. Oh, waouh! Oh, oh, oh! Parler de fruits, ça me donne un petit peu faim, moi. Est-ce que vous voudriez manger des kakis, par exemple? Oui! Oh, je ne vois aucun fruit. Oh non, je voulais vraiment manger un kaki. Bon, écoutez, je vais aller chercher des kakis sur un autre arbre. Vous m'attendez bien sagement, d'accord? D'accord! Kaki moelleux, des bons kakis bien délicieux. Ah! Où sont les fruits? C'est vous qui avez mangé tous les fruits? On n'en a mangé aucun! Bon, si c'est comme ça, je vais dans mon endroit secret. Il y a des kakis? Oui, bien sûr. Alors je t'accompagne. Non, 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 c'est mon endroit secret à moi. Laisse-nous venir avec toi, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Mais vous devrez tous m'écouter. Par là. Waouh! Il y a plein de kakis sur cet arbre! Allez, on va tous les cueillir! Stop! Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vois la drôle de petite maison là-bas? Il y a
un énorme animal dedans, avec des griffes et une mâchoire énorme qui fait des bruits effrayants. Et c'est un géant. Alors il ne faut pas le réveiller, c'est compris? Oui. Très bien, suivez-moi. Restez là juste un instant. Je vais les faire tomber. Attrapez-les. D'accord. Par là, ils tombent, attrapés. Les enfants, maman est là. Où sont-ils passés? Je t'ai bien rattrapé. Oui. Ça chatouille. Je m'appelle Wouf Wouf. Tu veux jouer avec moi? Chip, Chip. Je suis là. Est-ce que ça va, Chip? Oui, je vais bien. Wouf Wouf veut jouer avec nous. Mes chéris, vous êtes là. Maman. Je ne vous ai jamais vu. Qui êtes-vous? C'est mon ami Wouf Wouf, maman. Wouf Wouf a sauvé Chip de sa chute. Vraiment? Oh, merci beaucoup, Wouf Wouf. Oh, où est passé, écureuil? Là-haut! Sur l'arbre! Ah, allez! Écureuil en danger! Quatre, deux, trois, quatre, cinq, deux, trois, quatre.
cahier moderne. Un pas, deux pas, tap, tap, tap. Trois pas, quatre pas, tip, tip, tip. Maman, combien de temps ça va prendre pour arriver? On y est presque. Et voilà, nous y sommes. C'est la maison de Madame Poulet. Ça a l'air drôlement joli. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Voilà bien longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Bonjour les poussins. Bonjour Madame Poulet. Bonjour les poussins. Je suppose que vous êtes les petits faisans. Enchantés. Je vous prie d'entrer et de visiter notre ravissante maison. Oui, venez, venez. Je suis fière de vous présenter notre merveilleuse maison. Wow. C'est beau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Wow. Wow. Oh, wow, c'est fou comme c'est doux. Ça change de notre nid qui n'est fait que de paille et de feuilles. Pardon? Vous avez un lit en paille et en feuilles? Beurre, comment peut-on dormir sur une chose pareille? Notre nid est très confortable aussi. Oh, maman, j'ai rudement faim, moi. Mais je n'ai rien apporté à grignoter. Je vais aller faire un tour et vous rapporter quelque chose. Allons, allons, c'est tout à fait inutile. Nous avons toujours quelque chose à nous mettre sous le bec. Nous n'avons plus besoin d'aller dehors. Merci, c'est délicieux. J'arrive pas à y croire. On peut carrément manger à l'intérieur sans se déplacer. Votre poulailler est vraiment super chouette. Il est formidable. N'est-ce pas? Avec tout le confort moderne. J'aimerais beaucoup vivre dans une maison aussi belle que la vôtre, moi aussi. J'ai envie de jouer dehors maintenant. Vous venez? Hein? Quoi? Non, hors de question. C'est beaucoup trop dangereux. Beaucoup trop dangereux? Oui, bien entendu. Alors vous allez rester là et jouer à l'intérieur, mes poussins. Vous avez tout plein de jouets amusants ici. Vous avez tout plein de jouets amusants à l'intérieur? Ta-da! Oh! Qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, c'est une roue, tout simplement. Hop! Vous montez et vous courez. C'est rigolo. J'arrive. Je fonce. Stop, tu vas beaucoup trop vite. Ça va, vous n'avez rien, mes pauvres chéris. Oui, ça va, maman, on n'a rien de cassé. Oh, vous m'avez fait une peur bleue, mes poussins. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. C'était bien attrapé, non? Oh, quel chien terrifiant! Je savais bien que c'était dangereux dehors. Je ne suis pas terrifiant. Jouez avec moi, d'accord? Venez tous jouer avec moi. Maman, on va rester dehors pour jouer avec le chien. Venez jouer avec nous. Oh, maman, on a envie d'aller jouer avec eux, s'il te plaît. Mais c'est beaucoup trop dangereux dehors. Retournons vite à la maison, mes poussins. Jouer dehors n'est pas aussi dangereux que vous le pensez, Madame Poulet. Mais vous croyez que...
S'il te plaît, maman. Très bien, mais seulement quelques minutes. Oui, ah oui, merci. Bim bam bou, partons ensemble en balade, nous rirons beaucoup. Ha ha ho ho, allons jouer dans la forêt. Votre déjeuner? Oui, s'il te plaît. Oups, j'ai oublié le panier. Je vais aller le chercher. Alors restez ici en attendant. D'accord, maman. Oh, vous avez vu? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Je trouvais ça intéressant. Oh, je sais. C'est... un incroyable bateau. Oh yeah, petit faisan. Waouh, je veux monter dedans. Moi aussi. Jolis oisillons dans mon chapeau. Je n'ai jamais vu cet animal. Oh, sortons du bateau rapidement. Ils sont trop mignons. Je vais les montrer à maman et papa. Les petits faisans sont en danger. Maman, papa. Tada. J'ai trouvé des oisillons. Waouh, ils sont très mignons. Oh, mais ces oisillons ont l'air un petit peu effrayés. Oh? Pourquoi ils ont peur? Peut-être qu'ils ne sont jamais venus ici. Tu devrais bien t'occuper d'eux. Et ça devrait sûrement les détendre. D'accord, maman. Vous avez faim? Là? À table, les oisillons. Est-ce qu'on peut? Oh là là, j'ai tellement faim. Moi aussi. Vous aviez faim, petits oisillons. Elle nous nourrit plutôt bien. Elle doit être très gentille. Oui, sûrement. Je crois que les oisillons m'aiment beaucoup. Ah, oh, mes bébés attendent depuis longtemps. Madame Flora.
Hein? Oh. Venez vite! Qui est-il, écureuil? Un animal inconnu a emporté les petits faisans! Quoi? Oh, mes bébés! On s'essuie le bec, les oisillons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh oui! Jouons à la balle! Elle joue à la balle? Oh. Allez! C'est vraiment amusant! C'est vraiment amusant de pouvoir jouer avec vous! Elle est vraiment gentille et amicale! Oui! Elle est comme maman! Oh mince! Maman! Elle doit s'inquiéter pour nous! Emia, on rentre à la maison! Quoi? Déjà? Je peux prendre les oisillons avec moi? Oh non! Les oisillons doivent rester dans la forêt! Oh, mais je les ai nourris et j'ai joué avec eux! Emia, je suis désolée, mais ils doivent aussi retrouver leur maman! Mais je veux les ramener! Oh, 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 oh. Il est temps de les laisser partir. D'accord, s'il le faut. Au revoir, les oisillons. Oh, oh. Oh. Petit oisillon. Merci, gentil ami.